Mais quel abruti ce qu'on ferait! Et la conviction d'action était presque éteinte, ça va être un massacre. Je vais te le détruire, ce crétin, je vais lui apprendre ce que c'est que le droit à moi. Ouf, encore un dossier gagné pour le capitaine Martino. Tranquille. Oui, Jenny, je vous écoute. Quelqu'un pour vous, maître? Lisa? J'ai pas parlé aujourd'hui, non? Ben, je sais, mais c'est une urgence. C'est un ancien client à vous, monsieur Dulante. Monsieur Dulante? Non, mais non, attendez, Jenny, monsieur Dulante, c'est pas possible, il a fait 4 ans ferme. Oui, il y a 6 mois. C'est justement ça le problème. On sait que tout est capté par des gros cabinets. Censé être en prison? Disons que je suis en permission. Oh, en permission, monsieur Dulante, en permission! Vous avez pris 4 ans ferme après 6 mois, c'est pas possible! Disons que je me suis permis, je me suis autorisé par moi-même de prendre soin. Vous êtes évadé, monsieur Dulante, vous êtes évadé! Vous pouvez pas rester ici, les flics vont débarquer, ils vont tous vous embarquer. Je suis désolé, vous devez partir. Pitié, maître, pitié! Je vous en supplie, hein! Que chez moi, je vous en supplie! Je voulais juste aller voir si ma mère était très malade, elle va mourir! Je vous promets, après je m'en pitié, maître! Pitié! Elle est là, Goulette? Maintenant, elle est à l'audience! Monsieur, oui, on va aller tranquillement dans le bureau de ma collaboratrice. Ne vous inquiétez pas, mais je vous préviens, si les flics rentrent, je vous dénonce! Oh, merci, maître! Vous faites une bonne action! Oh, merci, maître! Merci! Vous faites une bonne action! Les flics débarquent, on va la porte. Je m'appelle Michel Dulante, je suis né le 3 janvier 1960 de père inconnu et de Chantal Dulante, décédée il y a 10 ans. Enfoiré. Hey, hey,